moyen, je fais moi-même le truc. Dr Stone, j'ai reçu ça de Glénat. Tote bag pour la sortie du manga Dr Stone. Voilà. Oui. C'est pas vraiment un unboxing du coup, c'est un unsacking. On va commencer par une gourde. Une gourde. Un comprimé désinfectant pour l'eau. Je pense que ça va avec la gourde du coup. Bon. Je sais pas de quoi ça parle ce manga, mais c'est chelou. Alors, il y a quoi d'autre? Attends, je fais des trucs bizarres d'abord. Ok. Je sais pas ce que c'est. Je crois, en lisant derrière, c'est pour faire du feu. Ok, faut du bois, tu grattes. Allez, tu grattes les deux trucs là, et ça fait du feu. Je sais pas. Briquet. Ok, une couverture chauffante, ça sert toujours, hein, si un jour vous tombez sur des potes alcoolisés dans la rue. C'est pas mal pour la survie. Je sais même pas quoi. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est cool. Ah bah ça parle de l'œuvre. C'est dessiné par... Par qui c'est dessiné? Wow! Rishiro Inagi et Boichi. Oh, Boichi! Ah non, Boichi, il est connu. Donc bon, c'est stylé. C'est pour ça que je trouvais que les personnages étaient super stylés. Regardez. Ils sont super jolis. C'est lui qui a dessiné Boichi. Alors attendez. Ça, c'est pas mal. C'est le poster! Waouh! Alors il faut aimer les garçons torse nu. En plus jeune. Moi j'aime beaucoup le dessin de elle là. Donc voilà. Bon, ok, elle est un peu jeune. Mais c'est un shonen, donc ça passe. Donc voilà, ça c'est par là-bas. Qu'est-ce qui reste dessus? Qu'est-ce qui reste dans le sac? Eh ben il reste une fourchette cuillère. Parce que reason why. Et du bois. Je pense du coup que ça marche avec le truc qui fait du feu, le bois, le feu, un briquet, bref, ça c'est rigolo. Et bien sûr, hein, je troll, mais il y a le manga. Et je vais le commencer, il paraît qu'il va cartonner. Il sort bientôt, là, la semaine prochaine, je crois le 11 avril, un truc comme ça. Mais ça vous verrez, parce que je ferai une vraie critique sur Viki quand même, je suis pas un méchant. Mais en attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Bisous!